parti pour la 11e, le Clair, Lyon, Hippodrome de Bordeaux, France, Cire, Challenge, 2300 mètres à parcourir. Le meilleur départ, il est à mettre à la tête de Diabotin Debré et Arthur Ferland qui ont franchi en tête la première relevée. Ils entrent dans le premier tournant avec en deuxième position Pierre Allard et Joaraf. Troisième position, bien appuyé le long de la corde. Alors ensuite, Eric Fils Habita et Pauline David, alors que Joygen Fer très patiente avec Charles Clayeux sur le dos. Ils sont dans le premier tournant, le premier tournant modéré. Les chevaux bientôt vont sortir pour se diriger vers le désormais très célèbre chapeau de gendarme. Alors n'oubliez pas, le virage est un petit peu raide. En tête toujours Diabotin Debray, en deuxième position à deux longueurs se trouve Joaraf, Renfis Habita est troisième, quatrième position pour Chloé Fer. Ça s'est très bien passé pour tout le monde. Se dirige donc vers le chapeau de gendarme. Diabotin Debray qui montre le chemin. En deuxième position, à une longueur, voire deux longueurs, Joaraf. Derrière Joaraf, en troisième position, patiente Renfis Habita. Pour se diriger désormais vers la banquette, toujours en dernière position, Corrigan Fairfrequel qui patiente. Ils ont tous très bien négocié la banquette. Ils se dirigent désormais vers le fence Lambonnet. Et c'est désormais Joaraf qui prend les choses en main. Mais Diabotin Debray ne l'entend pas de cette oreille. Il revient à trois quarts de longueur. En troisième position, Eric Fils Tabita. En dernière position, mais très près des premiers pour franchir le contre où se trouve Kogan Fairtrekkel. La grimpette, enfin dans ce sens, c'est plutôt la descendette, avec en tête toujours le même, à savoir Joaraf, en deuxième position, Diabotin Debray qui revient à trois quarts de longueur. Ils vont ainsi se diriger une nouvelle fois vers la banquette, en étant serré de près par Eric Fils Tabita, en dernière position, mais à quatre longueurs du cheval de tête. Chloé Fairtrekkel pour aller maintenant négocier le guet. Ils ont tous bien franchi le guet. En tête, Joaraf en deuxième position, Diabotin Debray, c'est cette fois la rivière qui est en vue. En troisième position, Eric Fils Habita, Chloé Fairtrekkel est toujours en dernière position. Dans le petit caillou, il n'y a pas un. Le parc à moutons se profile à l'horizon. Joaraf qui mène, avec toujours Pierre Alain sur le dos. En deuxième position, Diabotin Debray, confié à Arthur Ferland. Alors que Pauline David rapproche Renfis Tabita, pardon, en quatrième position, très léger retrait. Charles Clayeux et Corrigan Fairtrekkel. La grimpette cette fois, franchie en tête et sans encombre par Joaraf. Derrière Joaraf, Diabotin Debray. En troisième position, à 3-4 longueurs, Renfis Tabita. Nouvelle fois la banquette qui est en vue. Moment choisi par Arthur Ferland pour reprendre l'avantage avec Diabotin Debray. En deuxième position, se trouve à son extérieur Joaraf. Troisième position, en légère entrée, Renfis Tabita. Alors que Corrigan Fairtrekkel se rapproche progressivement. Vient de franchir une nouvelle fois le chapeau de gendarme. Direction le tournant final. Peloton qui se tient bien. Diabotin Debray qui a l'avantage. Joaraf qui vient le titiller à son intérieur et qui lui prend en troisième position, très léger entrée. Renfis Habita devant Joygen Fairtrekkel. Le tournant final, explication en tête entre Diabotin Debray et Joaraf. En troisième position, en léger retrait, Renfis Habita. Quatrième place occupée par Joygen Fairtrekkel. Une sorte du tournant final. Diabotin Debray qui a un très léger avantage. En deuxième position, l'attaque désormais Joaraf, mais également entre dans la danse. Dernière relais, Renfis Habita. Avant-dernière relais, Diabotin Debray qui l'a franchi en tête. L'attaquer du coup de Diabotin Debray se met Allez, Pierre!
c'est-à-dire la 3.